On se retrouve pour le deuxième épisode de l'Odyssée de MM Simulator et on se retrouve dans les blocs du routier bien sûr. Donc voilà les petits bonnets qui est bien remis comme il faut et tout, on y retourne. Donc là on est là où on s'en est arrêté tout à l'heure. Putain il fait chier. On va mettre sur la carte comme il faut. Ah il m'a stitter de route. Bon. Ah putain. Donc là j'ai vu en fait là je suis plus dans mes objectifs du tout en fait. Parce qu'en fait j'avais l'objectif qu'on arriverait au bout de la Grèce aujourd'hui. La semaine dernière plutôt. Et non tu avances pas, moi je vais avancer à ta place. Donc voilà. Donc j'ai pour objectif d'arriver à la Grèce, d'arriver en Italie la semaine dernière. Mais bon, j'y suis pas arrivé. Là en gros, on est à peine sorti d'Athènes. Et ça me casse un peu des pieds en fait. Un peu beaucoup en fait. Parce que, comment dire. Là en gros, on a perdu pas mal de temps. On est vraiment... au minimum et moi je voulais aller vraiment beaucoup plus loin sur la map. Je pensais déjà être en Italie au jour d'aujourd'hui et j'y suis pas encore, ça me fout un peu les boules. Je pense qu'on va essayer peut-être de combler un peu le retard sur toutes les prochaines vidéos. Donc excusez-moi parce que la dernière vidéo, la vidéo de la semaine dernière n'aura pas le son du jeu parce qu'en gros j'ai oublié d'enlever sur Fraps le son de ma voix, donc ce qui fait que le son de la caméra ne sera pas répercuté si je, en gros voilà, et j'arrive pas à faire un truc assez joli pour que ce soit très précis et tout. Que mon ordi est pas, en plus il y a un péage là je crois, oui il y a un péage à 100 mètres. Donc voilà, là je pense que on est vraiment pas trop dans mes objectifs. Là moi je pensais déjà être en France, pas en France parce qu'on n'y restera pas longtemps, oui peut-être, oui, être vers Strasbourg à la fin de cet épisode. Mais bon, là je crois que j'avais un peu trop rêvé, j'avais un peu trop vu trop fort. Parce que là, en gros, on a à peine quitté Rome. On a à peine quitté Athènes, je veux dire. On a quand même fait 300 km. 250 km en une vidéo. C'est déjà pas mal. Mais bon, ça manque un peu de voilà. What the fuck? Ça manque un peu de trucs. Là, ça, en plus, ça va peut-être donner un peu plus de piment à la vidéo, en gros. Même s'il y a de grandes chances que j'y arrive pas et que je prolonge cette odyssée, on va dire. Là, je baisse pas les bras, mais on va dire que j'ai peut-être été un peu trop gourmand. Parce que Cambridge, j'aurais pu y arriver, peut-être. Mais pas... je sais pas quoi, Silver... je sais pas quoi. Donc voilà, après, donc là quand même, il faut 3 jours pour y arriver. Donc là, on va aller au péage. Je crois qu'il y a un autre péage pas très loin, parce que j'ai un peu regardé la map avant... Donc voilà, après j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si vous voulez suivre l'autre épisode qu'il devrait y avoir, mais je pense qu'il y en aura encore d'autres parce que moi je veux vraiment finir cette livraison.
Donc il y a de grandes chances que ce soit peut-être mi-janvier la fin de ça. Hein. La fin de cette odyssée se fera certainement mi-janvier. En gros, on va dire hein, mi-janvier, je pense. Ou peut-être pour le 31 décembre, mais ça m'étonnerait grandement parce que là on est juste en Grèce. Il nous reste encore 3000 km, on a déjà fait 2000 km, on a bien entamé le chemin. Ah oui, putain, il y a encore... Quand on sera en Italie, on va arriver encore 1000 ou 2000 km. Allez, avance! Il y en a, ils savent pas rouler, quoi. Sérieux. Ah mais j'ai déjà mes feux en fait. Donc on va se dire ouais, si j'y arrive pas de toute façon je vais quand même continuer l'Odyssée, je le continuerai puisque j'ai vraiment envie de finir cette Odyssée jusqu'à la fin. Là ça fait 6 minutes, on en a 6 minutes. Et je tiens vraiment à vous dire que j'aime bien faire ces vidéos. Allez, c'est limité 70, pas 30. Allez, en plus, il y a l'autre derrière qui bouge pas son huc là. Allez. Putain, oh, mais tu t'étais pas... Ah mais couillon, il peut pas s'arrêter, il voit que j'ai pris toute la route là. Tant pis, ça fait cuissant. Pour l'instant on n'a pas eu de dégâts encore, on est bien, je pense. On est plutôt bien, on est pépère, on roule tranquillement. On avance plutôt bien, je pensais pas que ça allait être aussi... Ça allait monter aussi haut. Bon après on verra bien, hein. J'espère que ce sera pas comme ça partout, parce que si on doit rouler à 30 ou 40 tout le long, on va pas bien rouler. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah ouais. Là c'est foutu. Si on doit rouler à 30 tout le long. Là non, on doit être sur, plutôt sur une départementale bientôt, il me semble. On va avoir une réduction de voie et on va être plus sur une voie. Ça me fait un petit peu chier parce que je pourrais pas doubler comme je veux et tout. Mais bon, avec. Donc voilà, et là, si je vous l'ai pas dit. Dans l'épisode précédent, dans celui-là, on est sur la TSM, la Proxima 5.3, la nouvelle. Non, je ne vous ai pas fait de vidéo dessus. Donc la nouvelle Proxima 5.3 qui est sortie il y a 2-3 semaines. Parce qu'avant, j'hésitais entre... en gros, j'étais vraiment impatient qu'ils sortent leur nouvelle mise à jour ou que... comment dire, que soit qu'ils sortent leur nouvelle mise à jour, soit sinon j'allais remettre le 1.13 pour avoir accès à la TSM et pouvoir faire mon Odyssée tranquillement. J'hésitais franchement à faire soit l'un soit l'autre. Mais par chance, ils ont fait une mise à jour de leur map et elle est aussi bien que la map d'origine, voire peut-être mieux. Il y a des trucs un peu plus différents, on va dire. Même si je suis un peu déçu par le Caire, on va dire. C'est vraiment ça, je suis déçu par le Caire, par ce qu'ils ont fait au Caire. Franchement, je suis très déçu. C'est le seul petit hic qu'il y a sur cette map. C'est que des fois, bon bah ils se sont pas cassés la nénette quoi. Ils se sont rien cassé du tout quoi. Franchement. Ils ont rien cassé du tout parce que franchement, quand on voit ce qu'ils font, c'est pas... C'est bien hein, franchement, la truc c'est mal, je l'adore. Mais il y a quand même des petits trucs qui choquent. Voilà. Comme quand je suis arrivé la première fois au Caire, j'ai fait what? C'est Lyon ou c'est le Caire ça? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est Lyon ou c'est le Caire? Tu vois pas, tu sais pas en fait.
ce serait Lyon, ce serait pareil, ce serait le même style de vie, on va dire, le même ce serait pareil. En gros, t'as l'impression d'arriver à Lyon, mais non, t'arrives au Caire. En gros, c'est pour attirer les gens, hein, en fait, qui font ça. Ouais. Là, ça fait loin pour rentrer. Ça fait un petit peu loin pour rentrer, hein, pour aller jusqu'au Caire. Hein. Bah après, peut-être qu'ils ont un truc qui ressemble un peu à ce qu'on a nous, mais ça m'étonnerait. Franchement, c'est pas du tout, en gros, dans leur culture, de faire un truc assez... occidental, je crois. Occidental, oriental, c'est le truc. Donc, voilà. Oriental, ce serait plutôt, voilà. Eux, ils sont plutôt dans l'Orient, et nous, on est plutôt dans... ouais, l'Égypte, c'est plutôt l'Orient, et... et nous on serait plutôt ailleurs en fait. Ah non, okay. C'est quoi ça? On quitte l'autoroute. Ok. Je comprends pas tout là. Pourquoi on quitte l'autoroute? Bon, oh, c'est pas grave. On va suivre le GPS. Puisqu'il nous dit de quitter l'autoroute, on va quitter l'autoroute en Tripoli. Donc voilà, après j'espère que ça vous plaira. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter un peu à la prochaine station service, parce que là mon petit bonhomme il a envie de dormir. Il ne va pas tarder à avoir envie de dormir en tout cas. Donc là on n'est pas loin des... on a roulé pendant 300 km. Et là on est en train de perdre pas mal de temps quand même, parce que quand on a commencé tout à l'heure la deuxième vidéo, le numéro 2 de l'Odyssée, on était à minuit et demi et là on est à 1h12. C'est énorme, on est en train de perdre un temps fou et c'est assez chaud à comprendre. Mais bon, on va dire qu'on peut, vite fait s'y perdre dans ce jeu, franchement. Ben, dans cette map en tout cas. Donc là voilà, on va arriver sur la départementale, la... je sais pas laquelle, hein, par contre, je sais pas le nom. Ben, moi ce que j'appelle les départementales, c'est les voies où il n'y a que deux voies, et les autoroutes c'est les endroits où il y en a quatre ou plus, quatre ou six, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a plus que six. Donc on va se faire ça comme ça. Hop. Allez, hop, allez, on revient, hop, on roule comme un champion. Donc voilà, après, c'est vrai que... moi, j'aime bien ce jeu, j'aime bien vous faire des vidéos aussi, donc pourquoi ne pas rallier les deux ensemble? C'est vraiment un peu pénible. Donc là, c'est vrai que, en plus, j'ai un jeu que j'adore, donc j'aime bien, quoi. Il me fait un peu rager de temps en temps. En gros, c'est un peu comme The Hunter et Dirt Drive, on va dire, mais un peu différent. En gros, vous connaissez peut-être, mais je vais pas vous dire parce que sinon, ce serait un peu gâché. Mais en fait, aussi, c'est un jeu un peu multijoueur, on va dire. Multijoueur, bien, moi, je serais pas en multijoueur, mais on peut le mettre en multijoueur sur des serveurs, mais bon, après je vous dis clairement, ce jeu est bien. Après, faut quand même avoir un sacré PC pour le faire tourner, parce que moi je vous dis, la version que j'ai, bon, j'arrive à la faire tourner, que celle que je vais vous montrer, je vais la faire, j'arrive à la bien la faire tourner. J'espère que la cam, ben, la capture ne le fera pas trop bugger, on va dire. Mais sinon, en règle générale, il passe plutôt bien. Oui, il passe plutôt bien. Après, j'espère franchement que ça vous plaira. Ouais, voilà, j'espère franchement que ça vous plaira et que...
et que, comment dire, parce qu'en gros c'est un peu de la simulation sans en être eux. En gros c'est une simulation comme si t'étais un homme de Cro-Magnon, un truc comme ça. Ouais, je vais pas vous en dire plus parce que après je vais tout vous gâcher. Je sais même pas si ça se peut, en plus c'est juste après, c'est dans 2 semaines que je devrais le mettre, cet épisode là. Donc là je peux les doubler là si j'ai cette vitesse. Je pense que je vais voir le prochain virage. Ah, donc voilà, après dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, ben pas de ce jeu, je sais ce que vous en pensez, franchement il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, c'est tout. C'est tout simple. Donc voilà, après moi j'adore ce jeu, j'adore faire des vidéos sur ce jeu, j'adore vraiment faire pas mal de choses dessus. Donc voilà, après n'hésitez pas à me laisser un commentaire me disant tu vas y arriver, tu vas pas y arriver, machin, sur Paris par exemple, que vous pouvez mettre aussi dans celle-là de vidéo, ça ne dérange pas. On va y arriver. Donc moi j'espère franchement que ça vous plaira. C'est tout ce que j'espère franchement. Oh putain. Oh vite, faut que je le dépasse. Mais là on va voir du lourd. Je pense qu'on n'arrivera pas encore en Italie aujourd'hui. Je vais essayer, mais je vous promets rien. Regardez le GPS, vu les zigzags qu'il y a de partout là, les waouh. Ça je vous promets pas, mais ça va être du lourd. Là, je peux pas vous promettre en fait d'avoir un truc qui sera super. Je vous promets juste d'avoir un truc qui sera fini, c'est tout. Bon, après si je le finis pas, c'est qu'il y a une bonne raison quoi. Par exemple mon PC a grillé, un truc comme ça, mais il y a de grandes chances que ce soit fini quoi. Donc voilà, n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous en pensez. Là on en est à 20 minutes, je pense que c'est foutu pour aujourd'hui. Oh là putain, tout son grand. Quoi, ils sont deux concordants. Si, quand même, ça grimpe un petit peu. Non, j'ai 730 chevaux, il n'arrive pas à grimper une petite côte. Même avec le camion, la remorque qu'il y a derrière, il devrait pouvoir grimper ça quand même. C'est pas grave. Franchement, t'enroules tranquille. Pardon. On perd un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas 3 minutes près, hein. Après tout, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Hein. Ouais, je pense que vous pouvez mettre directement gros de Paris. Il est définitivement perdu. Hein. Bah, pour tous ceux qui ont mis que j'allais y arriver. Mais pour ceux qui ont mis que j'y arriverai pas, c'est déjà gagné pour vous. Mais je pense que moi, je vais pas arriver à faire ça en 3 épisodes de 3 quarts d'heure. Ça va être limite impossible. Cette mission impossible, parce que là on en est là, en gros faudrait que je sois déjà en Italie et je suis encore en Grèce. Et ouais, dans, en fait en gros je pourrais y arriver, mais faudrait que je fasse des accélérés énormes et j'ai pas vraiment envie en fait, c'est tout. Donc on va laisser ça comme ça et on va, parce que j'ai pas envie de faire d'accélérer, de coupure et tout le bazar.
Donc on a laissé qu'à ça parce qu'après il faudrait que j'accélère la facecam aussi. Donc on va rester comme ça et on va se tenir tranquille. Donc, on va dire. Hop. En tout cas là. Parce que là c'est vrai que là on va avoir du mal. Là. Wow. Je pensais pas que ça allait être comme ça moi. Donc voilà, n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, ce que vous ressentez par rapport à cet hebdo du routier. Si ça vous plaît bien, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais recommencer, hein, mais en plus long. Bien, en gros avec le limitateur et tout. Là j'évite le limitateur parce que j'ai vraiment envie de finir quand même dans les temps. J'y arriverai pas, c'est sûr, mais bon. On va dire que c'est faisable. Hein. On ne sait pas, je vais appeler Mimi Mathieu, on verra bien. Si c'est faisable. Je pense que ça doit être possible. Oh putain, il y a encore un putain de rage devant. Aïe aïe aïe. Et deux putains de virages devant. Donc, ah putain, en plus on peut pas dormir. Oh shit, il n'y a pas de... Y a pas de... De station essence dans le coin. Allez, roule! Là, ils auraient pu limiter ça à 50 quand même. Si en gros, je perds beaucoup de temps sur l'heure de livraison. Sur pas mal de choses. Donc on verra bien. On verra bien comment ça va se tourner, mais je pense que ça se finira pas pour le boîtier. Même si je rajoute une seule fête, on va dire, si je rajoute une seule date, ça se fera pas, je pense. On verra bien. Le truc, c'est que je l'ai jamais fait. Je pensais que ça allait être bien plus rapide que ça, et finalement, ça a été bien plus long que ce que je pensais. Donc je pense que voire mi-janvier, même là, ce sera peut-être pas fini. Oula, je peux peut-être le doubler là. Je peux peut-être le doubler là. Juste après le virage là. Juste après le virage, je vais te doubler. Fais bien attention, je vais te doubler juste après le virage. Là, je pense, je me suis bon. Ça dépend de la pente, ça dépend de pas mal de choses. On est dans. C'est bon. Allez, tu peux y arriver. En plus, je comprends pas, il n'y a jamais personne en face. Ah, c'est là que j'ouvre ma gueule, et puis c'est là qu'il y a quelqu'un en face, juste dans le virage en plus. Allez. Tu peux y arriver. Allez. Sinon, ce que j'ai à faire, c'est de lui faire un petit ta queue là, et après c'est bon. Oh putain, mon lit est rouge, faut que je dorme. Allez. Roule sans interdit, merci ma poule. J'avais pas assez d'amende pour l'instant. Ouais, c'est bon, c'est ça, c'est ça. Allez, avance. Oui, c'est bon, j'ai compris. Normalement, ils ont pas le droit. What the fuck? Donc voilà, après j'espère franchement, c'est vrai que là j'ai... Ta gueule, je suis sur ma voie là. Putain. Donc n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous en pensez. Là je pique un petit coup de gueule parce qu'il me met un truc de sens interdit alors que je suis sur ma voie, mais bon. N'hésitez franchement pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que j'ai pas encore l'habitude de conduire et de même temps regarder la caméra. C'est vrai que c'est encore un peu plus difficile qu'avant. Parce qu'en gros, faut que je garde un peu de temps en temps la caméra, que je... Voilà, en gros, faut que je m'habitue encore un peu. Mais ça a l'air de plutôt bien se passer, donc on verra bien. Je pense qu'au bout d'une petite dizaine de vidéos, ce sera mis en place. Bon, je l'ai déjà fait un peu, j'ai déjà fait 2-3 vidéos comme ça, là, en facecam, mais que j'ai pas publié sur YouTube, juste pour moi, pour tester un petit peu. Pour avoir quelques réglages et tout. Donc voilà, après j'espère que ça vous plaira, franchement je me donne à fond, quand je dis à fond c'est à fond,
3h30. Wow. What the... Mon premier dégât, dis donc. J'ai failli retourner mon camion, mais le premier dégât quand même. Là j'ai flippé là. Donc voilà, après n'hésitez franchement pas à le dire, voilà. Il y a quelques défauts que tu pourrais régler et tout. Mais bon. C'est vrai que le truc, je pense qu'avec Sony Vegas, ce serait mieux de faire les incrustations. Mais il y a un mais. Ouais, déjà 30 minutes. Mais si je fais une incrustation avec ceux du Vegas, ça va me casser les pieds. Vraiment me casser les pieds. Et puis je pense que ce serait plus joli. En plus, j'ai oublié de mettre les feux de croisement. J'ai oublié de mettre les feux de croisement dans le virage. Donc on verra bien. Franchement, j'espère que ça vous plaît. Là, je suis un peu bien concentré comme il faut dans le jeu. Ah putain, ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu de monde en fait. Depuis tout à l'heure, là, ça fait un bail quand même. On va essayer de regagner une ou deux minutes. Mais comment tu peux gagner des minutes sur ce temps-là? Putain, ça fait mal. J'ai mon camion qui bascule de temps en temps quand j'ai des petits coups de volant et tout. Ah putain, il pleut maintenant. Ah, ok, j'ai mis des raccourcis en fait sur mon... Mais je sais plus lequel qui va quoi. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc on conduit bien, hein, on conduit pas comme une merde, on conduit bien. Donc ouais, on conduit bien, on va pas se casser la tête là. Parce qu'il faut qu'on aille... Comment? Ah oui, parce que oui, faut que je dorme, mais je peux pas dormir, connard. Ah si, une station essence juste devant. C'est bon, on va dormir. On va pouvoir dormir. Là, ça va être énorme, je pense. C'est bon, j'ai compris que j'étais fatigué. Donc voilà, on va aller faire une petite sieste là, vite fait, bien fait. Attention. What the... Bon. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai évité deux fois l'accident. Hein, de se retourner. Et je pense que j'aurais peut-être gagné du temps. Je sais pas. Donc là, on va aller faire une petite sieste. Donc, donc là, en gros, on a un autre mode que je vous ai déjà présenté d'ailleurs. C'est les modes. Des stations essence réalistes. Donc on va aller dormir un petit peu. Oh, faut que j'aille où pour que tu me demandes de dormir? Donc la touche E, elle est là. Et après, on fait entrer. Bon, un petit peu, il peut plus. Bon, boire en conduisant, c'est pas très bien. Ne faites pas ça chez vous.
D'ailleurs, l'alcool est interdit au volant. Mais bon, je m'en fous, c'est pas de l'alcool, c'est juste du sirop de menthe. Bon, donc voilà. On revient après quelques secondes de pause, on va dire. Quelques minutes. Là aussi, c'est vrai que je suis quand même très content d'avoir mes 10 abonnés. Je sais pas s'ils me suivent beaucoup, mais je sais que je suis quand même content. Je pense que la personne... Parce que je crois que, si je ne me trompe pas, j'ai une personne russe dans mes abonnés. Ça me dérange pas plus que ça, mais bon, après... C'est pas la personne qui doit suivre le plus mes vidéos. Peut-être une vidéo qui lui a bien plu et à s'abonner, je sais pas. Je sais franchement pas du tout ce qui a fait qu'elle s'abonne ou pas la personne. Donc, je ne dirai rien. Bon, donc là, on est loin. On a déjà fait quand même 500 km. Hein, à peu près. C'est vrai que j'aurais un volant un petit peu mieux, ça serait mieux quand même. Parce qu'en gros j'aurais un G27 ou un truc dans le genre là, ça serait mieux, je pense. Mais en tout cas pour faire mes vidéos, ça serait mieux. Parce que en gros, voilà, j'ai un volant, il fait 180 degrés. C'est pas très réaliste déjà lui. Peut-être, on verra. Un jour je ferai une vidéo avec l'un de mes potos. Peut-être pas en facecam par contre, mais une ou deux vidéos, on verra. Et mais cette fois-ci avec un vrai volant qui lui il a acheté, il n'est pas très cher, mais qui fait 180, qui fait 900 degrés je crois. Et il a le vitesse up down. Je verrai. Peut-être que j'irai chez lui avec mon ordi et qu'on fera une petite vidéo ou deux. Juste comme ça. En gros, sans facecam. Comme on fait avant quoi. Celui avec qui j'ai fait mon collègue d'antan, on va dire. Quand au début, en fait, quand je faisais mes vidéos au début, avec lui, sur Extreme Trucker surtout. Après, je crois qu'il fait une petite vidéo sur Farming avec lui. Mais bon, lui, je jouais pas, là, on faisait des jeux de rôle, on a tout, c'était bien, c'était bon. Sur autre truc aussi, on l'a fait. On voulait tester certains jeux aussi ensemble et puis finalement on les a pas testés. Will Long Truck 18 American Long Truck. Ça on l'avait. On voulait le tester, mais il est tellement bugué ce jeu que finalement on a abandonné l'idée. Donc voilà. On en est déjà à 500 km. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous plaît. En fait, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, parce que j'ai toujours l'habitude de regarder mon écran, donc j'ai pas l'habitude de regarder la caméra, donc excusez-moi pour ça. C'est vrai que peut-être par contre c'est un peu moins visuel, on va dire, que quand je faisais avant, parce que j'avais pas avant, en gros, on va dire que j'étais pas, je sais pas comment dire ça. Ah, on va passer par une ville. Ah, on est arrivé au bout de la Grèce, enfin. Putain, oh. Est-ce qu'on va pouvoir... Déjà, on va pouvoir aller, je pense, en Italie.
c'est une bonne chose. Un peu en retard, mais une bonne chose. Mais on est déjà presque à la fin de la deuxième vidéo. Je pense que l'Angleterre, c'est fou. Bien, je suis pour le mois de décembre. Peut-être élargir un peu le truc, mais c'est plus pour le mois de décembre déjà. Donc voilà, c'est une chose qui est sûre et certaine. Patron. Allez, roule un peu, c'est peut-être 50, mais quand même, faut pas abuser. J'aime bien ce nouveau son, il est plutôt pas mal. D'ailleurs, je pense que mon pote va le kiffer aussi. Parce que, bien, mon pote. Qui fait des vidéos d'habitude avec moi. Mais bon, là, il est un peu. Bien, il a un peu. Bien, arrêté. Je vais faire des vidéos pour vous dire une petite perte de temps, mais bon. Quand t'es au chômage, tu trouves des occupations plus ou moins attractives. Donc, j'espère franchement que cette vidéo vous plaira comme la précédente. Je sais pas si elle vous a plu aussi la précédente. Donc ouais, c'est la première fois qu'on change de vue dans ce camion. Donc voilà, j'espère franchement que ça vous plaît. Là on s'emmerde là un peu. Donc c'est vrai que le chrome reflète plutôt un peu de partout. On a... Avec ce mode là de méga mode, de méga store, Scania et tout, ça ressort. En gros, on a plusieurs intérieurs. On peut personnaliser l'intérieur du camion. En moteur, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y en a peut-être un ou deux. On a beaucoup de châssis. Châssis 4 roues directrices, 2 roues directrices. En gros, on a vraiment pas mal de châssis. Très différents, très variés. Avec beaucoup de variantes enfin. Et c'est vraiment la petite chose qui manque, on va dire. Mais bon, moi je lâche. Surtout quand on met des modes dessus, il est encore mieux. Putain, c'est énorme, je suis obligé de mettre le frein à main des fois pour avoir un truc potable. C'est un bon bois de m'arrêter. Oh putain, faut... Donc je pense qu'on va même pas pouvoir prendre le bateau et arriver en Italie. Ça me foutre un peu les boules. Allez, face au vert. Bon, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Franchement, moi j'adore ce jeu. Comment dire, c'est vraiment un jeu que... mais c'est un jeu que j'adore. En fait, en plus, ce camion, il est plutôt pas mal. Il est plutôt bien fait. En gros, je l'ai assez rapide. Je l'ai pas rabaissé, mais j'ai mis en gros une espèce de pare-choc qui fait qu'on a l'impression qu'il est vraiment plus bas. Et en fait, il est pas plus bas. Il est... Donc voilà. Donc on va y aller. Hop, c'est parti. Donc voilà. Après, n'hésitez franchement pas à me dire tout ce que vous pensez sur cette vidéo, sur la vidéo précédente, sur la vidéo qui va venir, ou les vidéos plutôt. Parce que là, il y a du lourd au moins jusqu'au mois de janvier, je pense, avec ce truc-là. Avec ce camion, il y en a au moins jusqu'au mois de janvier. Il me semble qu'il n'y a que 3 épisodes.
Il me semble qu'il y a 3 épisodes jusqu'à Noël. Je ne vais pas m'avancer sur 3 ou 4 épisodes. Si on a 4, on peut peut-être faire dans les temps. Si on a 4, on peut faire dans les temps. Si on a que 3, il y a de grandes chances que... Il n'y a rien de spectaculaire, mais il y a de grandes chances pour faire. Donc, ça me fait un peu chier d'avoir des feux rouges qui font chier là tout le long. Bon, pour l'instant, on a plutôt bien roulé, on a déjà fait 500 km en 2 heures. Non, on va dire en une heure et demie. Aïe aïe aïe, putain, il me reste plus de 4 minutes. 5 minutes. Donc je pense qu'on va s'arrêter en Italie. Je vois pas d'autre solution. Moi aussi je vais m'arrêter de tourner pour aujourd'hui et on fera. De dire ciao avant que on soit parti. Ouais, mais bon, on va essayer de faire un truc assez sympathique, de pouvoir finir cette façon de la livraison, clairement, elle sera finie. En retard ou pas, c'est la bonne question, mais elle sera finie, je vous jure qu'elle sera finie. On arrivera en Angleterre, là-haut, là, dans l'Angleterre de Lidl, là. Peu importe quand, mais on va y arriver. Ça, je vous dis clairement, on va arriver en Italie. On va aller en Italie, mais on va aller en Angleterre. Peu importe le temps que ça nous prendra, qu'on y en ait pour jusqu'à mi-janvier ou qu'on en ait jusqu'à fin décembre. Je finirai la vidéo. Il y a vraiment rien qui puisse changer ça. On va aller livrer ce fret. Quelqu'un est contre ça, que je veuille livrer ce fret. S'il y a quelqu'un qui est contre ça, il a qu'à se dénoncer tout de suite. Non, je déconne, mais voilà, je vais quand même finir. Okay. Il y a eu un petit bug, je suis un peu dans la terre. Donc on va faire hop, on va aller là. Donc on va aller, on va retourner. Heureusement, je ne perds pas le grand coup. C'est dommage qu'en fait on ne puisse pas réinitialiser des camions sur place, on voulait les remettre à la place où ils étaient. Bon, voilà, on a découvert le truc du camion. Je sais pas ce qui se vend ici. Non, ils vendent un truc, mais je sais pas quoi. Je suis à 3%, je vais perdre 3%. J'aurais pensé aller en Italie, mais je pense qu'on va même pas y arriver en Italie. Bon là, clairement les fous comme ça. Ça vaut mieux 300 euros pour un Donc voilà, j'espère franchement que ça vous plaît, que ça va vous plaire, que le reste va finir par là. Et le reste va vous plaire aussi. Donc là on est reparti pour partir en Italie, normalement.
Si cette fois-ci je ne crache pas, mais je pense qu'en gros c'était un bug de la map et pas de moi. Donc on verra bien. Donc voilà, après j'espère que ça vous plaira. On va pouvoir finir cette émission tranquillement. Donc voilà, après, franchement, moi je suis content de faire cette vidéo avec vous, parce que, voilà, j'aime ce jeu, j'aime bien aussi, je connais pas, mais je connais quand même, bon, je vous aime pas parce que vous suivez mes vidéos, mais voilà, parce que, je sais pas comment dire ça, mais... Ouais, c'est à peu près ça. Parce que si franchement vous aimez bien regarder mes vidéos, ça veut dire que vous aimez bien un peu quand même. Mais bon. Ah ouais, oh, il y a bien. Allez, 114 km. On est bientôt arrivé en Italie. Déjà, je pense qu'on va perdre pas mal de kilomètres quand on sera en Italie. En gros, c'est que mon téléphone ne veut pas plus de 45 minutes, on va finir là. Et on va aller jusqu'à... Et on va... Donc on a pris beaucoup de... Je résume un peu tout. Hein, là, sur le deuxième épisode, donc ça veut dire normalement... normalement, l'avant-dernier. On devait finir il me semble que dans le mois de décembre il n'y a que 3 semaines, donc je pense qu'on aurait dû finir la semaine prochaine, mais je pense que ça sera pas possible. Et encore, en fait c'est très possible parce que la semaine prochaine il n'y a que l'auto la semaine prochaine. Et après on va hop, donc on va en Grèce. Donc on va se laisser là les petits gars. Moi j'ai été très content de faire des vidéos en votre compagnie. Donc là on va finir, je sais pas quand, cette vidéo. Donc là finir, je ne sais quand cette vidéo, soit au mois de septembre, soit au mois de janvier. Au mois de décembre, au mois de janvier, on verra bien. J'aimerais bien le mois de décembre, mais je pense que non. Voilà. Moi, je vous dis que je vous aime bien. Je lui dis pas mal de bonnes choses, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et je crois que vous ne serez pas encore en vacances certainement quand je publierai cette vidéo. Peut-être bien sûr. Non, vous je crois qu'en plus vous êtes en vacances la semaine. Bon, donc voilà, après, donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Et je vous retiens à la prochaine fois parce que ce sera le 24 normalement. La prochaine fois, peut-être que j'en mettrai deux la semaine du 24,
le 24 et donc voilà, faites de joyeuses fêtes en compagnie de vos proches et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.